guys, aujourd'hui vlog avec ma soeur jumelle. Regardez comme on est jumps. Ouais, on est grave jumelles. On va faire les courses parce que notre mif elle nous a laissé en Hesse à la maison. Il n'y a plus de courses, il n'y a plus rien à manger. Du coup on va faire les courses. Explique que tu viens tout juste d'acheter une carte SD. Ah ouais, 35 balles. J'ai fait exprès de ramener ma caméra et tout. Attention, 3, 2, 1, soleil. J'ai fait exprès d'acheter une... Ouais, puis j'avais exprès de ramener ma caméra parce que je voulais faire un petit vlog avec ma sister et tout, tu vois. Et c'est pas, j'ouvre, comme j'ai dit, en 7 ans de carrière de youtubeuse, j'avais jamais oublié ma carte SD. Là, je l'oublie, je fais wesh. C'est parce qu'elle m'a pressée aussi, elle. Et du coup, bah, j'en ai acheté une. Et comme ça, ça m'en fera une autre. Mais vas-y, j'en avais déjà 3, 4. Ça coûte cher les cartes SD, j'ai payé 22 euros. Là, ça s'ouvre tout seul. Tout à l'heure, on était à Darty, du coup, pour acheter ma carte SD. Astrid, elle s'arrête devant les portiques. Elle s'arrête comme ça. En mode, ouvre-toi. Personne. Tu crois que t'es une star, ma gueule? Mais un minimum quoi. Ça faisait long. Ah, ça. Tu fais des trucs automatiques. Est-ce que toi aussi des fois ça te gratte les lèvres genre? Non. C'est tellement des guillis que t'as envie de les arracher. Ah, je déteste quand ça fait ça. Ça fait super longtemps que j'avais pas mis de maquillage. J'ai mis un petit rouge à lèvres mix. J'ai envie de me pavaner dans les... Les trucs de maquillage, à quoi ça sert? Regardez son nouveau sac. Hybride ouf. Ouais, je valide. Assorti à sa jupe. Un sac assorti à ma jupe. Ouais, tout à fait. Est-ce que t'as dit que tu devais acheter de l'huile de coco? Ah ouais, mais genre... Tu t'hydrates le corps avec quoi? Avec de l'huile de coco? Non, pas que de l'huile de coco, mais genre... tu vois, genre... J'avais jamais vu ça! Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit d'aller dans les rayons de sang pour les nouveautés. Mais c'est trop mignon! Oh non! Pomme, framboise. Framboise et pomme. Ça me balle. C'est super cher. Autant se lécher les lèvres pour hydrater. Hein. Aux États-Unis, enfin à Los Angeles, il y a vraiment plein de trucs. Moi aussi quand j'étais à Miami dans les Target là, non pas Target. Ouais ouais ouais. Et bah, y avait énormément de trucs. Ouais, mais... I wanna buy everything I see. La lumière des magasins ça va pas du tout, on dirait une sorcière. C'est parce qu'ils savent qu'on a pas le droit de filmer, c'est pour ça les vlogueurs ils disent ok. Allez, on y va. On paraît que dans genre 3 minutes il y a un budget qui va venir. Excusez-moi, on a pas le droit de filmer. C'est vrai qu'on s'est déjà fait arrêter. Ouais, ici plusieurs fois, on est des délinquants. Sorry. Le rayon chétan. Ah, y'a pas des trucs vegan? Non, non, mais non, mais j'avoue. Oh, t'as dit que tu voulais acheter des glaces vegan? Oh, ouais, c'est ça, c'est tout à l'heure, on ira. Oh, Amélie! C'est quoi? Putain, tu vois, comme par hasard, le premier truc que je touche, sans gluten, sans lactose. Mais d'où dans les sucettes y'a du lactose? Ah, enfin, dans les. Bah, c'est du lait! Y'a du lait dans les sucettes des fois. Ouais, c'est vrai. Goût cerise, orange, fraise. This is for me! Donc, Amélie aime trop manger des trucs gras. Alors là, c'est sa passion sur Terre. Mais t'aimes bien ces crèmes fraîches là? Moi je préfère les peaux là, là-bas, genre. Tu sais, ça c'est meilleur. C'est tellement. Autant... Si c'est gras, autant manger encore plus gras. Ah ouais? Comme tu veux. Moi je trouve ça c'est meilleur. Ah, mais on devrait faire une vidéo où... en mode on se ressemble ou genre on fait pareil, genre. Mais non, jure! Oui. Mais non, jure! Achète des patates. Ça t'attaque là. J'ai froid là. Bah tu crois que j'ai pas froid moi? J'adore. Oh non mais ça, regardez comment elles sont tellement belles. Oh my god. Quoi? C'est trop beau. C'est des pêches. T'as acheté ça. C'est quoi? Ah, c'est dégueu. C'est dégueu. Viens. Je vais pas poser ça dans les pêches ma grande. Alors, vous préférez les pêches avec des poils ou sans poils? Moi sans. En mode l'étaline. Magnifique. Faire aller manger des teintes. À défaut d'avoir un cartable à roulette. Jardin, en fait, il nous a expliqué, papa. Ça vient d'ici, non? Non, je pense pas. Notre jardin, on a tous les fruits du monde. Si vous voulez des fruits, vous venez dans notre jardin. C'est combien ça? Putain, c'est sérieux? Eh, ça sent super bon. C'est sérieux? Quoi? 7 euros. 7 euros le kilo, ouais. Mais regardez, genre, c'est plein de couleurs. Regardez les fruits de la passion, comment ils sont énormes. J'ai jamais vu un fruit de la passion aussi gros. Toi, tu vas acheter des bananes. Mais à ce que, comme je suis jumelle avec toi, je suis obligée de mettre mon sac comme toi tu mets. Si. Elle veut faire comme moi.
Mais ce sac là je trouve qu'il est mieux tenu, enfin quand c'est tenu à la main. Mais vas-y, quand on fait les courses tu vois, on peut pas tout faire non plus. Feuille de chêne, très bon feuille de chêne, j'adore, 15, j'adore. Moi ma préférée salade c'est la salade iceberg, c'est moi celle-ci. C'est... J'aime tout. Quand j'étais jeune moi aussi c'était ça, mais non, je suis plus jeune. Hein. Bah justement tu vieillis du coup, c'est pour ça que t'aimes les jeunes pousses. C'est un lapin celle-là, elle mange que de la salade. Je me suis dit je vais suivre son alimentation, elle est trop dure. Une semaine dans la peau de Noëtie. Oh regarde, regarde, oh là 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 là. Mais les gens ne veulent pas que je meure. Oh là 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 là, pensez à moi, vous pensez tous à moi. Jamais fait ce qu'on trouve, c'est un produit ma frère. C'est pas cher en plus, c'est 3€. C'est quoi? Bah c'est du lait. Coconut. Attends. Milk. Lait de coco original. Est-ce que tu veux pas acheter ça? Délicieux et onctueux, 100% végétal. Oh non, ta classe. Ah, crème de coco. T'es mal la couleur. Coco, ananas, c'est banane. Tout le monde prend celui-là, alors moi je vais prendre lui. Comment tu sais? Je sais pas. Non, on va tester celui-là. Lait de coco. T'es indécise? 3 balles. Sans sucre ajouté. Non mais ça coûte cher de manger bon pour la santé, hein. Ça coûte cher d'être en bonne santé, franchement. Tu peux acheter un truc. Genre du fromage tu peux l'acheter à 80 centimes comme tu peux l'acheter à 5€, c'est abusé. J'aime pas les tomates. Enfin, tomates cerises, si c'est bon les tomates cerises. On va chercher des tomates cerises les gars. Vas-y. Tomates cerises. Tomates. Des tomates cerises en boîte. Tomates cerises. Tomates. 99. Ah non, trop cher. Ouais, bah vraiment, prends ça. Prends ça. Des tomates grappes. Non, ça c'est bon. Ah ouais. Non ça. C'est que tu fais les mêmes blagues que moi, toi, dis donc. On est jumelles aujourd'hui. C'est ça, c'est vraiment des tomates. Tu vois pas que c'est des tomates bolos? Je sais pas, ça a pas l'air. Mais c'est des tomates grappes. Putain, les gens ils font ça n'importe comment, vraiment. Attends, tu sais ce que je fais? Je les chope en mode. Moi, mais tu crois vraiment quand ça pousse comme ça? Mais oui, moi je suis pas sale, moi je touche pas toutes les tomates, tu vois, du coup je fais attention. Ça c'est une belle pousse, du coup je prends celle-là. Ah, mais tu fais tomber les tomates. Ferme ta gueule. Non mais elles sont trop nulles tes tomates, hein. Moi ça me saoulerait de faire ça. Regarde, prends celle-là plutôt. Oh non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Non mais vas-y là, ça me saoule. Non mais si c'est trop cher, moi je mange pas de tomates. Non mais ça sert à rien les tomates. Mange ça buzz. Non c'est trop cher. Non on s'en fout. C'est allez, pas tiens. Cher. Non ça c'est rayon chétane. Tu me demandes d'acheter des pâtisseries, je mange même pas de pâtisseries. Non, on va aller dans mon magasin bio après. Et on va acheter des trucs. Moi j'adore les pâtisseries. Vraiment des problèmes mec. Mais non, mais c'est comme ça qu'on fait pour savoir si elles sont juteuses. Toi, t'es bête. C'est quoi le genre d'OGM ça? C'est la reine. Ils ont blanche. Comment tu dis la reine des neiges? Non, la dame blanche. Vas-y toi. Si, une côté rouge. Putain, mais on dirait ils ont mis du vernis, genre du top coat. C'est l'anniversaire de quelqu'un? Ouais, vas-y. Je rigole. Il y a pas des tas. Oh là là, regarde ça. Oh là là là, j'aurais tout mangé. Tu sais, ouais, c'est les meilleurs, mais prends le caddie. Comme ça, il y a pas besoin de... Bah oui, c'est ça qu'on fait en soirée, on prend toujours des trucs comme ça, parce que coca chaud, voilà quoi. On peut en prendre un. Pourquoi faire? Bah pour les smoothies, non. Mais il y a même pas de place. Chiou. Y a pas des glaces vegan en mode végétal là? T'as dit qu'on irait dans ton magasin. Oui, je sais, mais je sais que... Il y a une marque qui fait en mode... Qui fait quoi? Oh là 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 là. Oh là là. Plan B. Oh my god! Combien? 5€. Mais c'est le prix d'un. Un scan? 15€ pour moi. Mais ils disent que c'est vegan ou pas? Ah, wow, vegan! Non! On n'a plus besoin d'aller à mon magasin. Oh là là, Alpro, je vous adore. C'est combien à ton magasin, mec? Je sais pas. Ah, mais tu sais ce qu'on va faire? On va faire une dégustation de glace vegan. Amande, caramel, salé. Mais vegan, ça veut dire que c'est pas du lait de vache? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun truc issu de l'animal. Et comment tu l'as fait? Comment ta glace? Bah, lait de coco, lait d'amande, lait de soja, lait de ce que tu veux. Tu mets sirop d'érable et tout, tu vois. Madagascar. Ça, vegan. Chocolat vegan. Non, mais ça, je prends, c'est sûr. Noisette chocolat vegan. Ça, prends ça. Ça, je prends. Coconut. Mais toi, t'as pas besoin de. Non, non, c'est bon. Ouais. Coconut, vas-y. Bon, pour la santé. Allemande, c'est bon. Oh, le... ouais, parce qu'ils vous disent les calories aussi, enfin on s'en fout, mais ça j'ai jamais vu, je savais pas. Oh là là, je suis trop contente, c'est ma vie. Je vais me nourrir que de glace. Alors Astrid elle est en recherche de tout ce qui est vegan et tout ce qui est bon pour la santé, tout ce qui est... Je suis pas vegan. Elle est pas vegan, donc le jour où vous allez la voir manger du poulet,
celui qui lui rentre dedans, je lui casse la gueule. Non, mais parce qu'on m'a dit, ouais, tu vas, t'as des sacs et tout, machin, machin, mais je suis pas vegan en fait. C'est juste que genre. Fais attention pour sa santé. Ouais, j'évite le lactose et tout, tu vois. Comme ça, c'est plus facile en fait. Comme ça, quand tu manges, tu te dis, oh, bah t'as pas besoin de chercher, tu es malade. C'est compliqué, c'est vraiment. Parce que. Mais. Trouver du fromage vegan, il faut trop que je teste jamais manger du fromage. Oui, mais tu sais qu'il y a une mukbangueuse en plus qui fait ça. Genre, elle mange du fromage vegan, et elle dit que c'est archi bon. Bah oui, ça. C'est archi bon, et puis ça a un goût de fromage. Et même du steak vegan, que ça a un goût de viande aussi. T'as déjà goûté ça? Non. Ouais. Non, mais ça c'est du petit plaisir dont tu peux te passer, mademoiselle. Miam! Bonne affaire, elle a dit que dans le magasin bio, les glaces c'était à 10€ et là c'est 5€. Du coup, là elle en a 4 pour le prix de 2 là-bas. Vraiment, regardez, je fais pas attention, mais genre il y a une grosse différence. Bref, c'est cher quoi. Oh, snacks de lentilles, j'adore! Oh! Jamais goûté! Graines de lentilles, amidon de pommes de terre, huile de tournesol, sel, curcuma, j'adore. Ça c'est meilleur quand on les cueille nous-mêmes. Des baby carrots! Baby carrots, ça tu peux mettre dans la salade des baby carrots. Ouais, je sais, mais j'ai déjà des carottes à la maison. Regardez les avocats comme ils sont gros. Tu sais que je peux mettre de la pomme aussi dans les salades, c'est bon. Hein. Ouais, j'en mets des fois, avant j'en mettais. C'est une petite charcuterie avec un petit verre de vin. Oh, je te jure, 250 tâches. Pas très bon pour la santé, mais. Depuis quand on achète des trucs comme ça, nous? Tu sais qu'à ce qu'on a plus d'eau en bouteille. Vas-y, moi aussi je bois de l'eau gazeuse. Mais tu sais que ça donne des gaz, après ça fait péter. On cherche du pain. Ah, c'est un bouton ou c'est du rouge à lèvres? C'est un bouton. Des fois, pas bien de trop rêver. J'ai hâte de faire mes petites courses quand je serai chez moi. Si, mais genre c'est facile de faire. T'as pas demandé mon avis, ma grande. Non, si, faire des petites courses avec ton cums, genre. Donc non dairy free. Bon, ça. Non, t'abuses. Ah, regarde, est-ce qu'il y a du pain bio? 4 balles, mec. Ta mère. Amélie, lève les yeux. Non, je prends ça. Chez App, ils m'ont saoulé, j'ai pas que ça à faire de chercher toute ma vie. Canelet, dégueulasse. La texture, elle est chewy. J'adore tes sites. Elle a acheté des yaourts Veggie. Veggie, c'est vegan? Vegan. Non, Veggie, c'est marqué vegan. Y'a pas une étiquette? On va mettre 2 cartes. Ça a été une journée très productive et cette journée n'est pas terminée. Donc, au revoir. Bon, comme c'est Astrid la plus balèze, c'est comme c'est toi la plus balèze, c'est toi qui porte le plus gros sac et moi je porte la water. Oh my god, mes bras vont s'arracher. C'est lourd. Where is your car? Allez, là-bas. À côté de Darty. Tu veux pas aller à ton magasin vegan du coup? Non. Enfin. Les méclats, je suis trop contente. J'adore. Ah, je me sens une nouvelle femme pour une nouvelle carte SD. Je vois une belle gosse dépasser là. Je vois son petit cul. Je parle de la voiture d'Astrid. Faut pas croire. En souffrance. Quand elle mange bio, ça lui donne plus d'énergie. Oh, ça sent le Subway. Il fait bien chaud dans cette voiture. Let's go. Bon, c'était un petit vlog course quoi, histoire de vous montrer ce qu'on achetait parce que nous n'avons pas une alimentation. Non, elle n'a pas une alimentation très normale. Elle se des petits plaisirs de temps en temps, elle s'achète des glaces à 20€. Tu sais, des fois. Ah, mais j'ai trop hâte de goûter, je me demande si c'est bon. Là, ça a tout fondu, j'ai touché, c'était tout mou. Ah ouais. Bon. A plus, guys. On s'attrape à la maison. Ouais. À la maison. Bon, du coup, guys. Je suis très jaune là. Je termine ce vlog maintenant parce que bah du coup on est rentré des courses, on a rangé tout ça. Et on n'a rien fait d'autre de spécial. Du coup, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'aime trop vlogger quand je fais les courses parce que c'est trop drôle, je vois quand je fais les courses avec mes soeurs. Voilà, du coup c'était Astrid, mais voilà. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.